Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer la journée à faire des petits pranks à Swan. Voilà, toute la journée, le repas, les loisirs, les devoirs, je vais faire des pranks à Swan. Je vais le pranker partout. J'espère que ça va marcher, faire le plus de pranks possible. On espère que la plupart, il va se faire avoir, évidemment. Donc voilà, je les ai toutes prévues. C'est parti, on va commencer dès le début, là, le premier, c'est le matin, le petit déj. Go! Alors du coup, Swan est en train de prendre son petit déj, donc normalement, il y a une bouteille de lait sur la table. Normalement. Allez, bon, on est parti. Oh, parfait, y en a une. Salut Swan, ça va? D'accord, salut. Maman a demandé que tu débarrasses la table. Oh, ok. Je t'ai bien vu, Swan. Ouais, c'est vrai. Bon, celui-là il était gros, mais arrête avec tes pranks, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète, pas de soucis, Swan. Ok. Pas de problème. Et Swan, j'ai un challenge c'est pour toi. C'est quoi? Tu sais, ta chemise ménagère aujourd'hui. Oui. Ça dit qu'il y en a seulement un de nous deux qui les fasse. Oui, mais comment en fait? On va faire un Shifumi, sauf qu'on aura les yeux fermés. Ooh. Ok. Okay. Donc ce serait simple hein, si je gagne, c'est toi qui le fais. Si c'était toi qui gagne, c'est moi qui le fais. Ça te va, c'est équitable? Ouais. Ok, parfait. T'es pareil. Combien de points? On le fait en 5 manches. Allez. Ok. T'as bien les yeux hein. Shifumi. Oh Swan, quelle chance. Oh. Un point pour moi. Allez go. Shifumi. Oh je t'ai encore eu. Oh, Swan, franchement hein. Faut que tu te rattrapes hein. Allez, plus de 3 points, t'as encore toutes tes chances. Shifumi. Oh, trop de chance. Oh, plus que deux du coup. Oui, c'est ça. Shifu et Mi. Oh, Swan, ouvre les yeux, regarde. Oh, comment tu fais? J'ai qu'un point. Ça, c'est vraiment de la chance, hein. J'ai pas autant de chance, hein. Allez, dernier. Shifu Mi. Oh, je t'ai eu. Les tâches ménagères, c'est pour Monsieur Swan. Allez. Oh, comment t'as fait? T'as de la chance, hein. Bon, la prochaine fois, je te vois y arriver. Pas de soucis. Bah, quand même, ça me semble bizarre que tu gagnes à chaque fois, hein. Bah, j'ai eu de la chance, c'est tout. Mais est-ce que tu fermais vraiment les yeux? Ah, oui, évidemment que je ferme les yeux. Bon, Swan, tu penses que j'ai triché? Y'a pas de soucis. On fait un autre challenge, t'inquiète. On remet les tâches ménagères en jeu. C'est quoi? Du coup, le challenge, bah, ça va être au top de ce petit challenge. Voilà, okay, simplement. Ok. Les yeux fermés? Ah, oui, c'est ça. Parfaitement. Ah, bon, Swan, on commence, hein. Je vais chercher deux bouteilles. Bon, voilà. D'accord, bah, je t'attends. Bon allez Swan, c'est parti. Ok, on fait un peu de place, voilà. Swan va nous faire un petit rangement aussi de ton côté. Ouais, c'est la première fois que je te vois ranger ton bureau, c'est sinon. C'est drôle. Allez go. Swan, tiens, je te passe. Non, moi je préfère le bleu. Vas-y. Okay. T'es prêt? Allez. Oui. Ferme les yeux. 3, 2, 1, go. Swan, c'est bon? Quoi? Oh, j'ai réussi. Oh, c'est incroyable. Wow. Ok, bon, si tu veux, on le fait en 5. 5 voitures voiture clip. Enfin, vraiment. Ok, ça va. C'est hyper dur quoi. Allez, allez go. Ferme bien les yeux, hein, comme moi. Bon les Swan, deuxième round, c'est parti, allez go. Bon Swan alors, qui a gagné? Oh, quoi, t'as réussi? Trop fort. Bon allez go, on fait le suivant. Un chacun. Allez go, ouais, un chacun. Allez, ferme les yeux. Hein. Allez go, c'est parti. Donc qui a gagné, Swan? Oh, j'ai réussi. Yes. C'est serré. C'est moi que je triche pas, hein. Allez go, ferme bien les yeux. 3, 2, 1, go. On soigne du coup. Wow, oh, égalité. Égalité, bien joué là vraiment. Oh, tu gères, Swan, tu gères. Oh, pas mal. Allez, go, continue. Swan, ferme bien les yeux. Hein. Allez, c'est parti. Go. Oh, j'ai réussi. Oh, trop bien. Oh, yes. Allez, go. Swan. Oui. Oh, on a combien de points là? C'est un peu rapide. Hein. Je crois bien que là, t'en es à 4. 4. Moi, à 3. Allez, plus qu'un. Ok, allez, Swan, t'as toutes tes chances là. Allez, 3, 2, 1, go. Oula, on a tout jeté. Bon. Oui. Ok, on recommence. Allez, 3, 2, 1, go. Oh, encore une équipe. Oh, par contre, t'as perdu. Bon, pas grave. T'étais pas très loin, hein. C'est serré, mais tu vois, j'ai pas triché. Et ouais. Oui, t'as fait ménager, bon. C'est pour toi, mais t'inquiète. On reprend des challenges. Ça sera mieux pour la prochaine fois. Y'a pas de soucis. Allez, vas-y, on va remettre les devoirs. Comment ça
ça me semble bizarre, hein. Shifumi, j'avais des doutes, mais Néo, j'aimerais qu'on en refasse un, mais cette fois-ci, je le serai bien. Néo. Oui, quoi? On en refait un. On en refait un, mais tu veux faire quoi? On t'a fait? Ouais. Ok, pas de soucis, hein. Bah, t'inquiète, hein, t'as ton soin. Bon, je suis vraiment sympa, hein. La prochaine fois, on refera pas, hein, parce que bon, okay. Là, t'abuses un peu quand même, hein. D'accord. Allez, go. T'as bien les yeux. 3, 2, 1, go. T'as vu? Tu veux faire quoi? Je t'ai vu rouver la bouteille. Et elle était rire comme ça et je t'ai vu la rouver. Bah non, je Elle était comme ça et je t'ai vu la rouver. Mais attends, mais t'es un tricheur. Bah toi aussi, je t'ai vu ouvrir les yeux. J'ai pas ouvert les yeux du tout, non. Mais t'es un gros tricheur, mais toi t'as ouvert les yeux. Non mais Swan, non mais tu rigoles là, mais c'est même pas drôle en fait de faire avec toi. Ouais. Mais tu fais tâche ménagère, sérieux. J'ai gagné deux fois, tu vas commencer une troisième fois et en plus, c'est ça. Bah, et là, t'es gonflé. Et on recommence et cette fois-ci, j'ai observé pour voir si tes yeux sont verts, oui ou non. Mais tu triches. Allez, c'est parti. Tu triches, j'accepte pas. Bah, tu fermes les yeux aussi alors. Hein. Ferme bien les yeux, ok. Oui. Allez, 3, 2, 1, go. Quoi? Rien. Rien. Bah oui, bah je joue, c'est tout, c'est de la chance, hein. Bah on va quand même refaire, hein. Non mais c'est bon, Swan. J'ai des énormes doutes. Non mais ça suffit, on l'a fait plein de fois là, c'est bon. Non, t'as pas été à doute. Non, ça suffit. C'est bon, je suis fatigué, je suis mauvais, je suis venu le voir. Là, si tu réussis pas là, j'affirme que tu as triché. Bien sûr, non mais exagère pas non plus, c'est de la chance. Si. Swan, écoute, t'es loin. Moi j'ai plein de devoirs à faire, allez, laisse-moi faire, hein, c'est bon, laisse-moi travailler, franchement. Mais oh, j'ai l'impression que tu me fais des pranks, comme la bouteille de lait ce matin. Quoi? Ah, attends, on m'appelle Swan, pardon. Comme par hasard. Alors Swan, quand même, il est difficile à pranker. Ne vous inquiétez pas, là il va avoir la peur de sa vie. Regardez. Vous êtes prêts? On est parti. Je change mon switch de sens. Et vous allez voir pourquoi. Plus qu'à porter le masque. Yo, qu'est-ce que tu cherches au frigo? Hey, yo. Néo, je parle. Oh, ah, oh. T'es bien allé. Oh, très drôle, Néo. Ça vous manque. Non, ça c'était pas drôle. Ça va? T'as pas eu trop peur, petit Swan? Oh. Si, quand même, j'ai eu peur, hein. Oh, t'es ivi. Ah, quand même. T'as pas peur avec ces pranks. Oh, c'est énervant. Rockerman. Néo, qu'est-ce que tu fais avec le cachot? Une expérience. Expérience? Ouais. Tu fais quoi en fait? Oh, j'ai réussi! Oh, quoi? J'ai réussi! J'ai réussi à faire du ketchup bouillant! Ça fait, c'est hyper chaud! Oh, oh, il est bouillant! Oh, c'est mais quoi cette merde de fait, malade? En fait bah, attends, essaye, regarde, vas-y, mets ta main pour voir! Trop bien! Essaye, vas-y, mets-la bien comme ça! Wow! Punk! Je t'ai bien eu! Oh. Ah, c'est bon! Merci! Oh. Ça va? T'as vu, il était bien bouillant le ketchup, hein? Ouais, c'est vrai, ouais. Il était tout froid. Ouais. Très bouillant aussi. Ouais, c'est sûr. Bah, Néo, d'ailleurs, toi, tu vas pas toucher. Si tu touches, ah, tu peux. Si, regarde, j'en ai touché. Ouais, si, t'en veux. T'en veux encore, T'inquiète. Ouais, t'as bras rouge, Néo. Le prank se retourne contre moi. Non, vas-y, regarde. Je vais t'essuyer au ketchup. C'est bon, là, comme ça? Oh, bah, très bien, bah, un visage de le visage de ton... Ah, oui, le visage, t'inquiète, pas de soucis. T'as encore ça? Mais regarde, Néo, il y a ma bouquin. De quoi? Quoi? Mais non, mais sérieux. Donc là, Swan, normalement, il est en train de regarder son petit dessin animé de l'après-midi. Donc là, on pourra bien le pranker. Allez, c'est parti. Swan, j'ai un super challenge à te proposer. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? On a deux verres, une bouteille. Est-ce que t'es prêt? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà, le gagnant du challenge, il fait des petits déjeuners du matin à l'autre, au lit. Ok. Ça te va? Moi, ouais, ça me va. Mais c'est quoi le principe du challenge? Le principe, c'est que tu dois tout faire comme moi. Donc déjà, Swan, tu t'installes confortablement, c'est-à-dire okay. Par terre. Voilà. Allez-y. Donc du coup maintenant je vais servir dans deux verres. Je vais servir les deux verres simplement. Et tu vas devoir tout faire comme moi. Ok, c'est bon? Ok. T'as compris pour l'instant? Ouais, c'est bon. Donc regarde, t'es prêt? Alors, tu fais ça. Non, tu peux le pousser comme ça. Voilà. Tiens, tu veux te perdre le challenge? Tu fais pas ça, hein. Allez, maintenant ça. Un peu plus dur. C'est bon? Ça. Maintenant, ça. Et ensuite? Voilà. Bah quoi? Ah bah t'as perdu. Et voilà. Petit déjeuner au lit, hein, demain. Oh, pour moi. Super prank, Néo. Je t'ai bien pranké, ouais, je sais. Allez. Et maintenant, Swan, prochain challenge. Je t'en fais un deuxième. Allez, voilà, comme ça, un petit d'accord. Bonus. Donc du coup, ça va des petites devinettes. Voilà. Donc Swan, quel est le cri de la poule? Quoi? Quel est le cri du chien? Waf waf.
Bah, en fait, le cri de la poule, bah, c'est ton cri, puisque ouais, la c'est drôle. Bon, quel cri de la vache? Ça va? Quel cri du lion? Quel est le cri de l'éléphant? Et maintenant, pour finir, quel est le cri de la baleine? Et voilà le cri de la baleine. Je t'ai eu, deuxième prank. Ça va, tranquille? Ah, t'es content, hein? Oh, tu vas m'avoir pour toujours. Et bah oui. J'ai le bras du prank. Oh. Allez, salut, je te laisse. Bye bye. Oh, je vais me sécher. Je l'ai bien pranké, je l'ai bien eu. Et j'ai encore plein de pranks en attente. Maintenant, c'est l'heure du goûter. Et on va faire à Swan un goûter dont il va se souvenir. Je prépare le truc, regardez. Même si je pense que je vais devoir essuyer la cuisine. Bon, voilà ce que ça donne. Ok, bon, bah, je vais devoir tout nettoyer, hein. Super. Du coup, là, il fait nuit, et là, c'est bientôt le dîner. Donc, Swan a le droit à quelques minutes d'écran, tout simplement. Donc là, on va lui réserver un petit prank. Voilà, donc là, j'ai pris plusieurs masques. Alors, finalement, je vais prendre celui-là. Voilà, un masque bien effrayant, vous voyez. Et on va aller dehors, et on va taper à la fenêtre pour lui rendre une petite visite, n'est-ce pas? Bon, allez, je suis prêt. Ouais, le prank t'es moyennement réussi, hein. Oula. Tu dis bonjour. C'est drôle quand même. T'as même pas eu peur, t'as pas sursauté. J'ai trop vu son dessin animé, pourtant. T'as vu, il est bien, il a vu le masque. Ouais, j'aime bien. Ouais, le prank est pas trop réussi. T'inquiète pas, ça va. Mais t'es drôle, celui-là. Ouais, t'as drôle. J'aime bien, en fait, j'ai pris le fenêtre. Ouais, y'a pas de problème, toi, t'inquiète. Ok, d'accord. T'inquiète. Alors du coup le prank est un peu raté, hein. Ça n'a pas eu du tout peur, vraiment il avait pas sauté, je comprends pas. Je comprends ce que Halloween soit sa fête préférée parce que là il a pas du tout réagi, hein. Au contraire il rigolait. Voilà, il me disait bonjour. Bon en tout cas il reste le dîner, je pense que je pourrais lui faire un petit dernier prank quand même. Oh, ça j'ai un truc de fou à te montrer. C'est quoi? Regarde, elle est trop trop bien cette vidéo. Tu vas voir, tu vas être assez impressionné je pense, regarde. Oh. T'as vu, c'est fou, hein? Oh! Ah ouais, il est trop fort personnel! Oula, c'est en fait des contrages! C'est drôle! Ok, d'accord. Wow! Bah, bref, c'était tout ce que je voulais te montrer, voilà. C'est très sympa, hein? Bon, allez, go! Il est passé où, mon flan? De quoi tu parles? Il est passé où, mon flan? Tu as mangé, non? Bah, Oh, j'ai compris, prank, tu as mangé pendant que je regardais la vidéo. Bah, de quoi tu parles? Oh, c'est obligé que ce soit ça. Il est dans l'assiette, mon flan. Non. Si, ouais. Tu as mangé. J'ai bien compris. J'ai bien eu. Bah alors? Oh, tu me prends à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois. Puis du coup, on y arrive, c'est bien eu. Ouais, c'est vrai, bon. Là, quand même, c'est le bon prank final, je t'ai bien eu, Iswan. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, de cette journée de prank. Ça y est, on a bien pranké Swan. Enfin la plupart du temps quand même, il y a eu quand même quelques fails malheureusement. Donc voilà, c'était une très bonne journée. Swan a dû être très heureux. Moi en tout cas, j'étais très heureux. C'était très sympa. C'est une bonne journée, voilà, une journée à prank. On l'a tout fait, on l'a tout fait faire, les loisirs, les devoirs. Le pauvre, il a pas eu un moment de répit, hein, clairement. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Swan quand même là, il y a eu des bons pranks, hein. Le coup par exemple du gorille, de l'eau quand il jette ses céréales par terre. Enfin voilà, c'était vraiment très très drôle. Moi j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Je trouve que la plupart ont réussi, donc ça c'est le principal. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pensez au pouce bleu et surtout abonnez-vous. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Alors Swan, tu te souviens qu'il faut être très très poli quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, hein? Est-ce que tu lui as bien dit bonjour à celui-là? Bonjour, bonjour.
Bonjour monsieur, enchanté de faire votre connaissance. Il est charmant. Bon, bah maintenant qu'on a fait sa connaissance, coucou les garçons. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Oui, on espère que tout le monde va bien. Ah, il y a un autre personnage ici qu'on connaît pas encore. Après, il y en a qu'on connaît. Oui. Oh, il y a des retrouvailles aussi. Oui, voilà. Ah bah celui-ci, on voit ce que c'est. Ah, celui-là, on l'avait déjà vu l'année dernière, il me semble, non? Oh, regarde Swan. C'est une momie, elle est charmante, hein, vraiment. Hein. Ah, il y a celui-ci aussi, tu vois. Il a l'air très sympathique. Et puis après, une petite zone, là. Regarde, Néo, on dirait un petit peu le rangement de ta chambre. Hein, c'est à peu près ça. Et encore un personnage phlegmatique. Oui, l'accueil est tellement chaleureux. Néo est déjà rentré. Tu viens, Swan? Alors, ça va être de plus en plus bien ici. Nous voici de retour. Magnifique. Voilà, on retrouve tous nos copains depuis Halloween l'année dernière. Il y a des nouveaux aussi. Alors Swan, t'es content de retrouver tout le monde? T'as pas confiance? Je comprends pas. La tête de Swan. Moi, je comprends pas pourquoi t'as pas confiance, hein, parce que regarde. Pourtant, Swan l'accueil a l'air très sympa. Hein. Ouais, là, ça va. Ils bougent pas et ils sont tous musiques. Bon, bah, ça va. Tout va bien. Ah, les copains et les copines, comme chaque année, on vient faire notre petite vidéo peur ou pas peur dans le magasin aux belles masquées que vous connaissez bien maintenant. T'as peur? Bah, ça commence bien. Un Swan, il a pris un an de plus et il a peur. Il a toujours aussi peur. Oh, mais Swan, t'as déjà peur, c'est vrai? Ouais, de plus en plus peur aussi. Oh, mais Swan. Bah oui, il y a de plus en plus de nouveautés, effectivement. Mais c'est pas grave, t'es pas obligé de rentrer. Nous, on va faire un petit tour et puis quand tu te sens prêt, tu nous rejoins. Tu peux rester ici avec papa si tu veux. D'accord. Alors Swan ne se sent pas trop cette année, hein. C'est vrai, hein. À la question peur ou pas peur, il a déjà répondu peur, ça commence bien. Et toi Néo, peur ou pas peur? Pas peur, c'est bon. Pas peur? Ouais. T'es sûr? Ouais. Quand on voit tout ce qui est au-dessus de toi. Allez Néo, ta nouvelle chambre. Oh. Tu es dans ton élément. Charmant. Regarde, il y a un truc qui avance tout seul là. Ah, oh là là, elle fait trop peur. Trop trop peur. Oh, finalement, c'est peut-être pas plus mal que Swan soit resté là-bas. Oh, j'avais pas vu non plus, regarde là-bas. Oh là là. Il est trop bien fait. Mais trop trop bien fait quoi. Très impressionnant. Happy Halloween, oui, bien sûr. Il y a encore des décos partout et jusqu'au plafond. Hein. Regardez ça. Il y en a vraiment partout. Et plein de nouveautés. C'est ça qui est top. Regarde, une carrière, lui. Hein. Je n'avais pas vu qu'il y avait aussi ce petit là qui se mettait en route discrètement. Oh là là. Tout ceci est très impressionnant. Alors Néo, oh. Peur ou pas peur? Ça va pour l'instant. Pour l'instant ça va que... C'est quand même très impressionnant. Est-ce que tu es prêt pour la suite du magasin? Mmh. Oui. Bon bah là tu fais la partie facile, là regarde. Là c'est la partie gentillette avec le citrouille. Oh là c'est joli, c'est mignon, c'est minouchet même. Hein. Et là pareil, ah, ça commence à être un petit peu plus compliqué ici. Il y a quand même des doigts qui se promènent, des doigts coupés, mais à part ça, allez, ça va encore. Néo est déjà parti dans la partie suivante. Ouais. Alors, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui avait jeté quelque chose, j'ai pas vu que c'était toi. Ils sont charmants eux aussi. Oh. Petit bouquet de fleurs. Et... Moi, je lui donne mon cœur. Oh, comme c'est gentil, oh. Mon fils. Ah, mais c'est ta copine de l'année dernière. Mais oui. Salut. Dis donc, coquin, t'as plus peur, ça y est?
Le coquin, t'as vu, il a essayé de te faire peur, hein, ouais. Quand même. Hein. Alors, Swan, peur ou pas peur? Encore peur, mais je veux juste entendre. Ah. C'est vrai que c'est surprenant quand même. Hein. Encore peur, mais d'accord pour un prank. Alors, doucement, pas de violence, mon fils. Oh là là, il y a des choses encore très impressionnantes ici au plafond. Il y en a partout, 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 partout. Est-ce que vous êtes allé par ici? Non, pas encore. Alors, là, on a une petite collection de crânes, n'est-ce pas? Un petit monsieur, là aussi, charmant. Il y a même un bébé en bas. Plein de choses sympathiques, dis-moi. Et par là. Ah, celui-ci, on l'a. Oula, elle se remet en route là. Ouais. On se calme. Mais oui, on l'a à la maison celui-là. Alors ici, on est dans les déguisements. Néo, tu sais déjà ce que tu vas porter comme déguisement cette année? Tranquille. Oh, regarde. Sympa ça aussi, hein. Ouais, c'est bien fait, hein. C'est la main de Freddy, regarde, ouais. C'est sa tombe. Freddy Krueger, c'est marqué dessus, c'est super bien fait. Bon là, il y a encore plein de choses sympathiques. Ah, par là. Encore des déguisements. Bon, là, il y a tous les accessoires, évidemment. Ouh, il y a une charmante dame là-bas en haut. Regarde comme elle est belle. Hein. Mais oui. Magnifique. Magnifique. Oh, regarde, là aussi, on a Jason. Mais oui, regarde. Très beau. Ils sont sympas. Et ceux-là, ils bougent pas. Non, mais c'est bon. Ils sont très impressionnants. Oh. Oh là là. Oh. Pas rassurant du tout même. Hein. On met ça dans ta chambre, Léo? Oui. Elle te chante une petite berceuse le soir pour t'endormir. C'est ça. T'es d'accord? Moi, spécialement, quand même. Quand même, à bien y réfléchir, c'est pas sûr. Là, il y a toute la collection des masques. Là, il y a Madame la sorcière. On la retrouve tous les ans, la sorcière. On la connaît bien maintenant. Et là, encore des décos. Oh, bah te voilà. Mais dis donc. C'est le ballon de ça, oui, effectivement. Tu crois qu'il est là? On espère que non. Hein. Non, je suis dans le costume, j'ai donné ce ballon. Ouais. Attends, c'est l'accessoire pour le costume quand même. Hein. Ouais. Et là, pour refaire la déco du salon, voilà. Voilà, tranquille. Je pense que ça, c'est bien. Hein. Tu crois qu'un petit prank se prépare? C'est ça? Tu l'as reconnu ou pas, Swan? Bah oui, ça se voit, même pas peur. Swan se cache à moitié derrière papa, ça le rassure. Non, ça va. Non, ça va, ça fait pas peur. Bon, ça va, t'as pas peur en vrai, regarde. Bon, ici, peur ou pas peur dans cette zone? T'as peur là? Oui, mais là, elle est endormie là. Regarde, Swan, regarde. Il est déjà parti. Ah bah voilà, on la met comme ça. Swan, on a trouvé une solution. Regarde. C'est bon, on va là, Swan. Regarde, Swan, elle est au coin. On aurait pu lui mettre un bonnet d'âne, hein. Comme nous quand on fait les petites histoires dans la salle de classe. Vas-y, on fait un pas, toi aussi. On va pas en arrière. Il repart avec son ballon. En fait, il fait super peur avec son ballon, tu sais. Swan, est-ce que tu veux un verre de jus de cervelle? Parce qu'il y en a, hein. Jus de cervelle, très appétissant. Il y a aussi du sang pour vampire, hein, si tu veux. Et du poison aussi. Un petit peu de tout. Ça y est. Swan a trouvé une arme. Ouh, oula. Ouh. Ça va? Tu veux aller le voir? Tu veux aller le voir, Swan? Je crois qu'il a vraiment peur. Bon, Swan a quand même fait une traversée, très courageusement. Et nous, on va venir faire notre petit shopping avec Néo. Oh, c'est ça. Oh, bah attends, ça donne envie, hein? Tu manges le rat, là, c'est bon. Mais oui, regarde. Moi, je pense qu'on peut le mettre sur ton chevet. Attends, ouais. Excellent. Mmh. Ah, effectivement, il mange le rat. C'est assez ignoble. Mais le serpent aussi est sympa. Oui. Petit animal de compagnie sympathique. Mais oui. Mais oui, tout à fait. Regarde Léo, pour passer un coup de fil à tes copains. Allô. Ah, c'est quelque part. Celui-là, je l'aime bien.
Sympathique. Dis donc, ils font beaucoup de bruit, ceux-là, ouais, là. C'est leur concert, en fait. Bah oui, à eux deux, là, dis donc. Hein. Ils nous font une sacrée symphonie. Est-ce que finalement, on adopte la petite cycliste? Elle est gentille. Ou est-ce qu'on adopte celui-là? Ah, ça, c'est joli. C'est un nid d'araignée. Oh. Attends, c'est excellent. Ah, regarde là-haut. La diseuse de bonne aventure. Trop bien. Lui, je le trouve, mais tellement inquiétant. Il chante Gentil nounours. Gentil nounours. Ah, c'est pas du tout un gentil nounours en vrai. Il se cache. Eh ben voilà. Pour Swan, ça va être parfait, il va adorer, je suis sûre. Aussi, hein. Tu trouves ton bonheur ici? Oh, j'ai fait un ami ici. Moi, je l'avais pas vu celui-là, tiens. Bonjour. Et des petits fantômes aussi, trop mignon. Bon, Néo, il est temps de choisir ton costume d'Halloween. Alors, qu'est-ce que tu portes cette année? Costume, masque? Un masque, je dirais. Ah là, ce sont les costumes, voilà. Ouais, comme ça, moi, c'est bon. Ah, sympa, regarde. Ah, et celui-là aussi, il est sympa, là, regarde. Oui. Avec sa tête pleine de piquants, là. Les clowns, le Joker, tiens, tu l'avais, celui-là. Ouais. Ceux-là aussi, tu les as mis. Ouais. Ah. Il y a la Casa de Papel, évidemment. On tente un masque, là? On tente un masque. Alors. Oulala. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Dis donc. T'as pas peur, en vrai? Ah voilà. T'es d'accord pour faire peur aux autres? Mais toi, tu veux pas qu'on te fasse peur? Attends, mais c'est quoi ce masque? C'est un masque de clown. Vas-y, remets. Oh. T'es allé tellement vite. Voilà. Tu fais super peur, mini clown tueur. Ça, ça peut s'arranger, on peut discuter. Mini clown tueur, tu peux venir... On est au peur ou pas peur? Un petit peu peur quand même. Ah, quand même un petit peu. Eh, ça te va bien? Ça te va très très bien, Léo. Ah, et oh. Du calme. Avec ta petite sœur à côté, là, c'est bien. Bon, ça lui va bien. On va mettre ça sur le chevet des enfants. Ils vont faire de très beaux rêves avec ce livre. Qu'est-ce qu'il fait ce chat? On essaye? Appuie sur un bouton. Swan, il s'en va, tu sais direct. Et comme il est menaçant, Swan? Oui. Ben voilà. C'est pour te battre contre les automates, c'est ça? Oui. Allez, Swan, faites-le. Il est vraiment excellent. Bon, là, on est monté à l'étage puisque. C'est ça, les Swan fête son anniversaire avec ses copains dans 2 jours. Du coup, on est venu dans le rayon anniversaire et là, on a un étrange animal qui débarque. Bienvenue. Oh, il est trop bonjour. Qui est là? Il est magnifique. Il est sympa celui-là, non? Ouais. Swan, il te convient? Ouais. On l'emmène à la maison? Oui. Oui, allez-y. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça il a pas peur, hein. Moi, t'as pas peur, Swan? C'est qui ce monstre? C'est qui, Swan? Il est gentil, il est gentil, il va pas lui faire mal. Oh, le pauvre Swan. T'as pas eu peur? Bah non. Impressionnant. Depuis le début de notre visite ici, il veut rien faire. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Et là, c'est bon. T'as plus peur maintenant? C'est bon, t'es toujours courageux, Swan. Nous avons fait notre shopping d'Halloween avec des choses plus chaleureuses que d'autres, plus sympathiques. Donc bien sûr, vous retrouverez tout ça dans les prochaines vidéos. Et c'est la fin de notre visite au bal masqué, de notre shopping d'Halloween. Alors finalement, peur ou pas peur? Swan, peur au début, mais à la fin pas trop peur. Alors moi je veux dire très très peur au début. Oui. Très peur après. Peur, puis après ça va. Après ça va. J'aime bien Swan, pas trop peur à la fin, tu sais. Bien sûr. Est-ce que tu as eu plus peur que l'année dernière? Non, je pense pas. Oh là, t'as eu bien plus peur, Swan. T'as eu plus peur que l'année dernière. On te remettra la vidéo de l'an dernier, tu verras. Qu'est-ce qui t'a fait le plus peur, finalement? La zone rouge. La zone rouge, derrière toi, en fait? Il n'a pas trop fait le tour, hein, encore.
C'est ça que t'as trouvé le plus inquiétant? Et Adam aussi. Sur la chaise? Oui. Comme l'année dernière. Ah. Et vous, qu'est-ce qui vous a fait le plus peur dans cette vidéo? Peur, dites-le dans les commentaires. Pensez-vous, pouce bleu. Abonnez-vous. Un gros. Bisous. On vous. Bye bye tout le monde. Plein de bisous d'Halloween. Bye bye. Plein de bisous qui font peur. Salut Mignon. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. J'espère que vous aussi vous allez bien. Oui, j'espère également que tout le monde va bien. Qu'est-ce que c'est tout ça? On démarre les décos d'Halloween. Absolument. Et là, vous voyez, nous sommes dans un nouvel environnement. On est dans la nouvelle maison. Alors, tu nous dis que tu prépares les décos d'Halloween, mais qui c'est qui fait les décos d'Halloween normalement? C'est Swan, d'une minute à l'autre, il va arriver. Oui, il adore ça. Mais cet été, il m'a fait deux pranks. Je sais pas si vous vous rappelez. Il m'a renversé du slime sur la tête. Il a fait semblant de jeter mon Mac dans la piscine. En réalité, c'était un faux. Ah oui, je m'en souviens de ça. Il m'a bien eu avec ses pranks, ça m'a bien énervé. Donc du coup, je lui fais un prank pour Halloween. Il n'a pas eu de chance que ce soit pile à ce moment-là. Parce que les pranks d'Halloween, ça fait souvent peur. Qu'est-ce que tu vas lui faire comme prank? Bah là, j'ai mon déguisement de gorille. Et là, j'ai un carton. Oui. Je vais me déguiser en gorille. Je vais aller dans ce carton. Oui. Et je vais me recouvrir de déco d'Halloween. Et quand Swan va arriver, il va ouvrir un carton. Il va ouvrir la déco d'Halloween. Et à un moment, je vais le prendre la main et je vais lui faire hyper peur. D'accord, je pense effectivement qu'il va avoir super peur. Ah ouais, j'ai un truc de malade, ça. J'espère qu'il ne va pas trop m'en vouloir. Hein. Ouais, bon, Swan en général, il aime bien avoir peur. Ouais. Vous savez qu'il adore Halloween. Ça devrait lui plaire. Il a peut-être crié un peu sur le moment, mais je pense qu'après, il devrait rigoler. Alors regardez, il y a le masque. Il est trop drôle là-dedans. Waouh, wow, plus vrai que nature. Ouais, c'est hein. Hyper bien fait. Il est beau, hein. Là, c'est des chaussons. C'est je pense que ça va bien t'aller. Des gants de gorille, excellent. Et waouh, magnifique. Bon ben c'est parti alors. Allez, tu peux commencer à t'équiper. C'est bon? Ouais. Allez, je crois que t'es prêt là. Magnifique. Ça te va bien. Bon, c'est parti. Allez. Installation dans le carton. Donc, par contre, faut que tu te mettes sur le dos, je pense, pour pas qu'on voit la démarcation. Voilà, comme ça. Ça va, tu tiens bien? T'as de la place? Alors, ouais, faut que ça ressemble à un costume. Voilà, comme ça. Alors, par contre, mets-toi bien confortable parce qu'après, il faut surtout pas que tu bouges. C'est bon? C'est confortable? Ouais. Tu peux ne plus bouger du tout? Ouais. Ok, je vais te mettre des décos dessus. Oui. Néo, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Alors, regardez bien. Néo est là. Ta-da! Voilà. Alors, on a mis la toile d'araignée sur sa tête parce que Swan, c'est ce qu'il préfère mettre en premier. Qu'on a mis sur la tête du gorille, on a mis plein de déco et je pense que là on est bien. Donc là je vais refermer ce gros carton et on va dire à Swan que dans ces cartons là il y a les nouvelles décorations d'Halloween, ce qui est le cas d'ailleurs, ce sont les décorations que Festi nous a envoyées. Merci à eux d'ailleurs, on en profite pour les remercier au passage. Et là ce sont les décos des années précédentes. Donc du coup on va le faire démarrer par ces cartons là, le petit, le moyen et le grand. C'est bon Néo? Voilà, les cartons sont prêts pour Swan. J'ai retiré bien sûr l'emballage du costume qui était là-bas. Et là, c'est parti. Je vais chercher petit Swan. Du coup, je vais même éteindre la lumière. Je vais juste laisser, hop, voilà, une petite lanterne d'Halloween, comme ceci. Attention. Allez, je vais chercher Swan. Coucou Swan. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Oui. Et est-ce que tu es prêt à faire tes décos d'Halloween? Oui. Allez, c'est parti. Tu peux rallumer la lumière si tu veux. Alors, tu vois, tu vas pouvoir décorer toute cette grande pièce. Ah ouais? C'est top, hein? Alors, les nouvelles décos, oui, il y a ça, effectivement. Ça, c'est une nouvelle déco. Regarde, tu peux appuyer sur le petit bouton. Tadam! Tout ça, ce sont les décos de l'année dernière, donc tu les connais déjà. Oui. Et ça, ce sont les nouvelles décos dont je t'ai parlé. Tu vois, il y a trois gros cartons. Ah on commence par le plus petit. Alors, dans celui-là,
Excusez. Je ne crois pas, non. Mais c'est une caméra. C'est pour faire des vidéos, tu crois? Non. Pas tout à fait. Alors, essayez-moi, vas-y, appuie pour voir. Attends, faut enlever ça. On l'enlève. Faut pas tenir. Attends, j'éteins. Waouh. C'est excellent. T'as pas trop peur? Non. Non, mais tu l'as bien éteint quand même, hein? Allez, on remet la lumière. Mais si, j'ai un autre truc bizarre. Un autre truc bizarre. Qu'est-ce que c'est? Un téléphone. T'as vu? C'est une main de squelette. Ok. Alors, il y a un bouton, regarde. Tu veux ce téléphone-là dans ta chambre? Ouais. Il te fait pas peur? Non. Eh ben dis donc, moi je le trouve très inquiétant quand même, hein. Pas trop. Par contre, je trouve que ces deux trucs, ils sont vraiment super classe. C'est joli, hein. Bon bah déjà, il est vide. Allez, Edin. Oui. Attends, hop là. Allez, lance cette carton. On attaque celui-là. Ah, ça c'est mon costume. Ah, je montre pas. C'est la surprise. C'est mon costume, ça. Allez, on l'enlève. Alors. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, pose-la par terre. Là, t'as peur, par contre, hein? À vous. Elle est excellente. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas que je la mette dans ta chambre? Là, t'as peur. Qu'est-ce qu'on en fait? Je la mets sur la table ou c'est toi qui le fais? D'accord. Allez, petite main sympathique. Viens, je te dépose par là. C'est vrai qu'elle fait peur, hein. Mais meilleur, c'est la caméra. Je crois que tu n'es pas au bout de tes surprises. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sens que ça va mal tourner. C'est un nouveau copain? Ouais, mais je comprends qu'il y a quelque chose de spécial. Il y a un bouton devant, non? Alors? Ça ne fait pas très peur. Attends, on va le remettre en route. Oh, en fait, il se déclenche à chaque fois qu'on passe devant. Tu vas voir? Vas-y, passe devant pour voir. Ah, plus près? Non. T'as peur en fait. Pousse ma chance sur la table. Attends. Oui, c'est ça, tu vois? Avoue que t'as peur. Allez, je l'enlève. Il se remet en route. Swan. D'accord, je l'éteins. Là, je crois que Swan, il a vraiment peur. Alors, ces petits cadeaux, ça te plaît? Ouais, ça... Ah, dis donc, sacré Halloween cette année, hein. Alors, par contre, dis-moi. On va même pas y essayer, on va tout de suite le poser sur la table. T'as trop peur. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un baromètre hanté. Il se passe des choses bizarres avec ce baromètre, t'as vu? Là, on est en game météo. C'est difficile à dire encore, hein. Swan, il est de moins en moins rassuré quand même. Tiens. Tu
Tu sais ce que c'est? Non. C'est pour mettre sur la porte. C'est un heurtoir de porte. On met ça sur la porte d'entrée pour les prochains visiteurs? Oui, mais ça fait quelque chose de spécial ou c'est juste pour ça? Je pense qu'il doit faire quelque chose de spécial, il y a un bouton. Ça va faire bien plaisir au facteur, ça. Je crois qu'il n'y a pas les piles. Tu t'en sors bien, pour l'instant il n'est pas en fonction, je pense qu'il faut mettre les piles aussi. Ok. Soyez rassurés. Mais on l'essayera quand même, hein. Par contre, ne mets pas ça dans ma chambre, ne mets pas ça dans ma chambre, ne mets pas ça dans ma chambre, ne mets pas ça dans ma chambre. D'accord, mais c'est toi qui décides comment tu décores ta chambre. Je t'avais prévenu que cette année, ça faisait plus peur que les autres années. Oui. Alors, qu'est-ce que t'as reçu d'autre? Rien. Voyons, voyons. Du papier, ça c'est quoi? Ah, tu sais ce que c'est ça? Non. Regarde. C'est un rat, on dirait que le rat est passé à travers la vitre. C'est pour mettre sur les fenêtres. Ah ouais? T'en as reçu deux, ça va être rigolo ça. Et ça, c'est un chandelier crâne en résine. Ah, on va le sortir. Un chandelier, c'est comme celui-ci là, tu vois? Ça, c'est un chandelier. Donc on va voir celui que tu as reçu en plus. Et regarde, une jolie décoration. Ah ouais? Ça te plaît ça pour ta chambre? Déjà, est-ce qu'il fait quelque chose de spécial? Non, lui bouge pas. Ok, ça pourra aller. Ça ira? D'accord. Et voilà le chandelier. Alors lui, il fait rien, mais il est juste magnifique. On le met dans ta chambre? Oui. Oui, là, t'es d'accord. Ok, là, même pas peur. Très bien. Et pour la caméra, même pas peur. D'accord. D'ailleurs, quand je suis avec mes amis, on regarde un petit film. Ben voilà. Tu as reçu aussi des ballons, regarde. Et également des yeux géants. Et tu sais ce qui est écrit? Non. Danger, attention aux zombies. On met ça dans ta chambre? Ouais. Ouais, ça peut être une idée. Et ben voilà, on met ça devant. Il te reste encore un carton, petit cœur. Attends, je vais te débarrasser de celui-ci. Swan tient à s'en débarrasser lui-même. Voilà. Alors celui-là, je sais pas s'il y a du nouveau et de l'ancien là. C'est mélangé. Ouais. Parce que. C'est mélangé. Ouais, ça c'est de l'année dernière, tu t'en souviens? Attends. C'est une toile d'araignée ça ou c'est un insecte? Non, c'est une toile d'araignée. C'est la décoration de l'année dernière, tu te souviens? Ouais. On avait mis de la toile d'araignée noire autour, c'est pour ça. Okay. Alors qu'est-ce que t'as d'autre dans ton carton? Ah, c'est un truc qui fait spécial ça. Ah, tu crois qu'il bouge celui-là? Ouais. Bah vas-y, enlève les trucs, on va voir. Enlève, on va voir ce qu'il fait celui-là. Attends. Pas m'en approcher en tout cas. Ah, tu crois qu'il bouge? Oui, il bouge. Bah, où tu vas? Je te prenne. Bah, il te fait peur? T'as peur? Ouais. T'as peur? Ça va, Swan? Oui, ça va. Je sais qu'il est effrayant quand même pour lui. Oh, désolé. Ça va? Oh là là. Mais c'est ça quand on prank son grand frère plein de fois pendant l'été. Il prend sa revanche. C'est quoi la dernière fois que je t'ai pranké? C'est quand t'as fait semblant de lancer son ordinateur dans l'eau. Tu t'en souviens? Et voilà. Et... Ah ben c'est ça, Swan. Ah, oui. Il y a un moment où sonne l'heure de la vengeance quand même. J'avoue que là... C'est effrayant quand même. Hein. C'est une belle vengeance. C'est hein. Halloween. Hein. Tu sais qu'il est tout doux le costume? Ouais, regarde. Voilà. Tu peux lui faire un câlin en fait. Néo va pouvoir te montrer toutes les nouvelles décos. Du coup, tu les as pas vues toi? Ah non. Viens voir, c'est génial. Il va te montrer Swan. La première qu'on a trouvée, c'est la meilleure. Je crois qu'il est bien remis de ses émotions. Ça va. Ça va. C'est bon, je crois qu'il a eu peur quand même. Tout qu'on a promis. Éteignez la lumière. Allez. Ça va. C'est bien, hein? Ah, super cool. Bonjour.
cartes comme si c'était rien. Ouais, c'est excellent. Par contre, je veux pas qu'on montre la main ni le squelette. Il a trop peur. Ouais, ouais. Et ni cette main. Alors, les copains et les copines, heureusement, vous avez vu la démonstration. Non, non. Mets-toi derrière moi, Swan, si t'as trop peur. Voilà, viens, petit chou. Qu'est-ce que t'en penses, Néo? Excellent. Très bien, c'est bien. Ça va, hein? Et c'est quoi ce qui te faisait? Ouais, mets-le en route dessous. Et après, il faut que tu te mettes devant lui. Voilà. Fais tester celui-là. Ah, bah t'as trouvé le bouton, toi. Alors, du coup, on a enlevé son carton. Ah, en fait, regarde. C'est quand on passe devant qu'il se met en route. Wow, trop stylé. Oh là là. Donc il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte à la maison et voilà l'accueil. Et tout à l'heure Swan a décroché le téléphone, mais regardez bien. Vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle en anglais. Et j'ai entendu qu'il lui disait à bientôt. Oh là là, ça fait trop peur. Il fait un spécial, tu vois? Oh. Ah si. Très peur, sûr. Mais arrête de te couper les cheveux. On va le mettre sur ton chevet, Néo. Hein? Tu vas faire de beaux rêves avec ça. Vous êtes prêts pour faire les vrais décos d'Halloween prêt, maintenant prêt. Allez, du coup, on va les faire tous ensemble. Swan, dis-nous la vérité. Est-ce que tu as eu peur? Oui. Est-ce que c'est donc un prank réussi? Oui. Ah, un vrai prank? Ouais. Bravo, Néo. Et est-ce que tu prendras ta revanche? Oui. Ah. Néo, sois sur tes gardes quand même. Hein. Et toi, et les copines, est-ce que vous aussi, vous avez eu peur? Dites-nous dans les commentaires. Bye bye et plein de bisous d'Halloween. Coucou Néo. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. J'espère que vous aussi vous allez bien. Oui, on espère que tout le monde va bien. On est à Dreamcastle à côté de Disneyland Paris. Oui. Et là, je vais faire un prank. Un prank? Mais à qui? Swan. D'accord. Alors Swan, en fait, il est là. Voilà, on vous montre. Swan, il est en train de s'éclater, donc à l'hôtel Dreamcastle, il y a plein de jeux pour les enfants. Et donc là, Swan est en train de se faire plaisir sur son destrier, voilà. Et pendant qu'il s'amuse, Néo a des idées. Il veut faire absolument un prank à son petit frère. Tu vas lui faire quoi en fait? Explique-nous, hein, mais doucement, pour pas qu'il entende. Tu vas faire quoi? Je vais me déguiser en film tueur et je vais lui faire croire que je suis un abonné. Alors toi, moi je vais mettre un banc dans le jardin. Oui. Mais de côté derrière. Tu vas être de dos, tu veux dire? Ouais, c'est ça. D'accord, donc il verra pas que c'est toi. Oui, et je vais te demander de l'appeler pour dire qu'il y a un abonné qui est très timide. Et il va venir vers moi pensant que je suis un abonné. Et là, je vais lui faire peur en entendant. D'accord, d'accord. Donc je vais lui dire peut-être un abonné qui veut faire une photo, quelque oui, chose comme ça. Ça. D'accord, donc toi tu te fais passer pour l'abonné, tu te mets de dos. Et quand il arrive, en fait. Mais alors attends, tu n'es un clown tueur, mais c'est. T'as un masque, t'as quelque chose? Okay. Tu peux voir? Alors, il y a la veste, ok. Waouh. D'accord. Donc, il y a le matériel qui est prévu, ok. Et il va avoir super peur. Hein. Oh, mais t'es un grand frère diabolique. Et moi, je suis complice en plus. C'est ça. Ouais, bon, on va voir. J'espère qu'il n'aura pas trop peur quand même. Bon, bah, allez, tu vas t'installer? Allez. Allez, je vais le distraire pendant ce temps-là. A tout de suite. Alors, Swan s'amuse pendant que Néo prépare son prank. Je pense que Swan ne se doute de rien. Tu viens, petit cœur? Eh ben, dis donc, petit coquin. Là, je fais pas une vidéo, en fait. C'est juste pour te dire qu'il y a un abonné qui t'attend dans les jardins. Il voudrait faire une photo avec toi. Et puis, il voudrait que je le mette aussi sur la vidéo. T'es d'accord?
Alors, je préfère te prévenir, c'est un abonné qui est très très timide. Hein. Tu sais ce que ça veut dire, timide ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a peur. Oui, ça veut dire qu'il a un petit... Enfin, c'est pas qu'il a peur, mais il est un petit peu intimidé à l'idée de te voir. Oui, il a un petit peu peur de te voir, mais en même temps, il en a très envie. Donc là, il s'est mis dans les jardins parce qu'il voulait pas qu'il y ait trop de monde autour de vous, d'accord ? Pour avoir vraiment un bon moment passé avec toi. C'est de l'autre côté, petit gars. C'est là, viens voir. Voilà, il voulait vraiment passer un bon moment avec toi. Mais du coup, il va falloir que tu ailles doucement, d'accord ? C'est par là, chouchou. Là, c'est dehors, en fait. Donc, on est d'accord, tu vas être tout doux, tout gentil avec lui ? Ouais, c'est bien, t'es un gentil petit Swan. C'est bien. Alors, viens. Il s'est mis par là. C'est joli, cette fontaine, hein, t'as vu ? Regarde. Super joli, très très agréable. Alors, c'est par ici, regarde. Là, on a de la chance, on a une super journée en plus, on en profite bien. Il y a de très jolis jardins à côté de cet hôtel. Alors, faut que tu descendes là. Regarde, par là, tu vas pouvoir le rejoindre. Normalement, il t'attend par ici. Alors, va doucement, hein, comme je t'ai dit. Hein. Tu lui fais pas peur. Hein. Hein ? Tu sais qu'il est timide. Hein. D'accord ? Là, regarde, là, sur la gauche. Tu vois, il est assis là-bas. Tu fais doucement, parce que je t'ai dit, c'est quelqu'un qui est très, très timide. Hein. Vas-y, rapproche-toi de lui encore. Vas-y, vas-y, tu peux y aller quand même. Tu peux y aller, vas-y, rapproche-toi de lui. Là, doucement, hein. Doucement. Mais il est parti en courant quand même, hein. Swan, reviens, c'est juste Néo. Tu savais pas que ça allait être un prank? Alors Swan, il a dit à un moment, mais c'était ça le prank, parce qu'en fait, Néo avait dit, j'aimerais bien faire un prank, mais sans préciser bien sûr que ce serait contre Swan. Est-ce que tu as eu peur ? Oui. Est-ce que tu as compris que c'était Néo ? Oui. À quel moment tu as compris que c'était Néo ? Quand j'ai enlevé son masque. Et avant, quand tu l'as vu avec le masque, t'as pas compris que c'était Néo tout de suite ? Non. Ah bon ? Ça c'est marrant, parce que quand il s'est retourné vers toi avec le masque et tout, moi j'ai cru que t'avais tout de suite compris que c'était lui, vu que tu t'es pas mis à courir. Mm-hmm. Bon bah c'est bon, donc Néo il peut remettre son masque et puis on rentre comme ça. Ça te va ? On passe le reste de la journée comme ça ? T'as pas peur ? Non ? C'est marrant ça, dis donc. Même pas inquiet ? Ah ! Bon bah t'es bien courageux quand même, hein. Donc ça va, t'en veux pas à ton frère ? Non, ça va. Ça va ? Bon. Ça va. Bah dis donc, il est difficile à pranker lui, hein. C'est pas évident, hein, lui faire croire quelque chose, hein. Tu vas sursauter au début ? Ah non. Bah tu t'es pas... Bon d'accord, ok. Vraiment, il me va bien. Ça te va merveilleusement bien, parfait. Vraiment. Bon bah voilà, tu vois, il est trop grand maintenant. Bon les garçons, est-ce que vous trouvez que ce prank a réussi ? Pas trop, hein. Du coup, Marie et copine, est-ce que vous trouvez que ce prank est réussi ? N'importe. Pensez au pouce bleu. Surtout, abonnez-vous. Au revoir, gros. Bisous. Vous, j'adore. Avec tout le monde. Bonjour, Swan. Bonjour, tout le monde. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien. Et copain et copine, j'espère que bien si. Oui, on espère que tout le monde va bien. Mais dis donc, tu serais pas un petit peu costumé en zombie, là ? Si. Oh ! Et il ferait pas un petit peu nuit aussi ? Oui. Oh ! Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Chasse zombies. Des vrais zombies ? Non. Ah. Ouais. Ah, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur.
Tu vas chasser les zombies jouets? Oui. Enfin, je vais les trouver, quoi. Ah, d'accord, je comprends mieux. Alors, effectivement, je t'ai déposé des jouets zombies un petit peu partout. Je t'ai préparé un parcours comme tu aimes tant. Et là, tu vas pouvoir aller les récupérer. On va voir si tu les trouves tous. Parce que là, il fait nuit. Tu penses que tu vas tous les trouver? Oui, ça y est, je les trouve. C'est parti? C'est parti pour la chasse aux zombies. Salut tout le monde, c'est Néo. Là, Swan est en train de faire une chasse aux zombies avec maman. Donc, je pensais que ce serait sympa de lui montrer un vrai zombie. Je vais lui faire un prank où je vais me déguiser en zombie et je vais lui faire la peur de sa vie. Ah, déjà, hein. Oui, c'est assez facile. Ah, voilà, ce sont les zombies, en fait. Tu les adores, ceux-là. T'avais commencé une collection, il me semble. Moi, j'en avais moyen. Ah bon? T'en avais pas beaucoup? Non, j'en avais pas beaucoup. Oh, tu penses que grâce à cette chasse aux zombies, tu vas en avoir plein dans ta collection? Je les aurai tous. Je sais pas, on va voir. Déjà, il faut que tu essayes de les trouver. Ah, j'en ai encore vu un. T'en as encore vu un? Ah, voilà. Bon, ça va, ils sont pas trop durs, hein. Comme il fait bien nuit. Ah, mais ça, c'est deux doubles. Tu les as déjà, ceux-là? Oui, il y a deux. Oh, d'accord. Bah, il faut dire que, forcément, si effectivement il y a toute la collection cachée ce soir, il est possible que tu aies quelques doublons. Alors là, j'ai préparé quelques petits accessoires que je vais vous montrer pour lui faire peur. Pour commencer, j'ai un t-shirt quarterback zombie. J'ai aussi une batte de baseball. Bon, bah, c'est pas pour frapper, hein, heureusement. C'est juste une arme, voilà, ça peut être sympa, je pense. Et pour finir, un super masque de zombie. Il a l'air sympathique, hein. Ça va bien lui faire peur, je sens. Bon allez, j'enfile tout ça et on va voir le résultat. Et voilà, je suis prêt. J'ai mon costume, mon idée de prank. Maintenant, il faut que je trouve ma cachette. Est-ce que tu vois où sont les autres? Bien. Ah, oh, il y a une nouvelle. Oh, il y a infirmière. Ah, tu l'as pas celui-là? Infirmière, je sais pas. Effectivement, il y a une infirmière qui tient un bras dans la bouche, Berk. Et un bonhomme bizarre aussi avec des lunettes. C'est le papy zombie. Le papy zombie, très bien. Formidable. Ça va bien pour Halloween, ces petites choses, hein? Oh bah oui. Là, c'était facile quand même, hein? Les deux, je les ai pas. Tu les as pas, ceux-là? Alors. Mais la momie, elle est super rare, la momie. Oh, la momie super rare. Et le pirate? C'est un zombie pirate? Oui. Et comme moi, je suis déguisée en zombie pirate. Ah bah voilà, un pirate comme toi, tu vois. Il fait peur aussi. Allez, c'est bon, je vais aller chercher les autres. Tu crois qu'il y en a d'autres? Voilà, il y a des zombies un petit peu cachés partout. Et moi, il faut que je trouve une cachette. Ah, je pense que je vais me cacher juste derrière le sapin, là. Je pense que ça va être parfait. Pour lui faire peur. Alors, est-ce qu'il y en a par là? T'en as passé, t'en as passé. T'en as passé. Oh. Alors, t'avais pas vu celui-là, hein? T'es passé devant. Attends. Non. J'ai le sorcier. Le sorcier, j'ai pas le sorcier. C'est ça le sorcier? Oui, le sorcier, c'est celui à droite. À gauche, c'est le super héros zombie. Ah oui, il a un Z comme le S sur la poitrine, excellent. Eh, hey, regarde, il y a une lumière au fond là-bas, tu la vois? Oui. Ça clignote. Je sais où c'est. On va voir? On va voir. On va voir s'il y a quelque chose là-bas. Alors, on va suivre la lumière. C'est quoi là-bas au fond? Regarde! Mais c'est ta maison? Ouais. Tu reconnais? Oui. C'est ta maison en bois. Ouais. Et là, elle est en mode Halloween. Waouh! T'as pas peur? Non. Bon, il y a des zombies ici? Non? Pas de zombies? Enfin si, il y a ça. C'est à quoi? Non, je rigole. Non, bon apparemment il n'y a pas de zombies ici, il y a juste une maison d'Halloween. Bon, moi j'en ai trouvé un zombie. Là-bas? Bon allez, on retourne vers le chemin éclairé, on a peut-être plus de chance là-bas. Juste là, derrière, parfait comme ça. Alors est-ce qu'il y en a encore par là? Moi j'en vois un petit cœur. Rapproche-toi de la lumière, petit zombie. Ah! Ça y est, t'as trouvé? Oh, j'ai dit déjà. Oh! Et c'est qui l'autre? Ah, mais c'est Clown! C'est le deuxième de la collection. Oh. Et je... Yeah! Waouh!
Effectivement, je vois le clown avec son nez rouge. Et ça, c'est le ninja. Oh, ils sont excellents ceux-là aussi, dis donc. Moi, je trouve que le plus excellent, c'est le ninja. Ah, d'accord, le ninja. T'es où? Je t'ai perdu. Ah, voilà, petit zombie. J'en ai vu un autre. Ah, c'est où alors? Montre-moi. T'es où? Je viens d'avoir le deuxième de la collection et là j'ai le premier. C'est le premier dans la collection. Ah, voilà. C'est la pom-pom girl là. Fais voir la collection. Ah oui! Excellent. Mais je pense qu'avec la chasse aux zombies que tu es en train de faire, tu vas en avoir beaucoup quand même. Hein, on va essayer de lui faire peur. T'as tout trouvé ou est-ce qu'il y en a d'autres encore? Il y en a un autre. Ah oh. Il y avait un autre caché là. Et celui de piège. Le musicien et celui de piège. Ah oui, le musicien avec sa guitare électrique et son cerveau dehors. Et l'autre, ah oui, c'est le zombie à la plage avec son aileron de requin. Excellent aussi, dis donc. J'en ai vu deux autres. Deux autres, c'est où? Ah là. Ah. Oh, le zombie romain, attends. Le zombie romain, effectivement, on le voit bien. Et à côté, c'est quoi? Ah, c'est le jeune avec sa planche de skate, t'as vu? Ah oui. Le jeune zombie. Et t'en as vu d'autres encore? Oui, un autre. Ah oui, il y en avait un là. Ah, ça a l'air d'être bien. Lui, je l'aime, mais lui, par contre, lui, je l'ai pas. Super. Et c'est quoi? Lui, c'est danseur. D'accord. Mais lui, je sais pas ce que c'est. Alors, effectivement, il y a un danseur de rap, je pense, un rappeur, il me semble. Et l'autre... C'est un bricoleur. Un bricoleur, t'es sûr? Un bricoleur zombie. Peut-être un bricoleur, oui. Il a un casque un peu bizarre pour un bricoleur, hein, mais bon. Bon, là, je suis caché dans un buisson. Il va pas tarder à venir. Regardez, voilà. Et je vais sortir pour lui faire peur. J'en ai encore vu, hein. Ah, c'est ouf. Ah, mais oui. Il y en a encore un ici. Et c'est le même que tout à l'heure. Ah, mais on l'a déjà eu tout à l'heure, celui-là. Ouais. Oh, bah alors, on a un double. On a des jumeaux, voilà. C'est pour que tu puisses faire des fratries après. Et bah, j'en ai vu un autre. Encore? Ah oui, il est là. Il est caché avec les feuilles. C'était le même encore. Encore un double? Pas possible. Encore des jumeaux. Eh bien, tu vas en avoir plein, plein, plein. T'en vois encore? Ah, moi j'en vois un là, il me semble, non? Ah, voilà, il me semblait bien. Il est dans la lumière. Encore le clown et le ninja. Encore un double, mais c'est pas possible. On n'a plus que des doubles. Encore un double. Le clown et le ninja. Bon, bah ça va, ceux-là, tu les voulais absolument, mais on les a encore en double. J'en ai encore trouvé un. Oh, encore? Mais dis donc, il y en a beaucoup. À votre avis, est-ce que ça va marcher? Alors, c'est quoi celui-là? Encore un double, oh là là. Eh ben dis donc, en fait, je me demande s'il n'y a pas deux collections. Peut-être une pour toi et puis une pour Néo, pour que vous puissiez jouer ensemble. C'est peut-être ça, non? Ouais, c'est peut-être ça. Ah, c'est peut-être ça. Bon, Néo, il est pas avec nous pour l'instant. Il est parti peaufiner son costume d'Halloween, lui. Donc bon, on le retrouvera peut-être après. On lui proposera les zombies, pourquoi pas. Ah, je viens d'en prendre un pour vous. Ah. Et il y a peut-être les petits animaux qui se promènent, tu sais. Ah, il y en a encore un là. Encore un double? Oh là là, on n'a plus que ça. Ah mais oui, c'est le rappeur et le monsieur avec son casque. À mon avis, c'est ça. Hein. C'est que la suite, c'est pour Néo. Je pense que c'est prévu comme ça. Je crois qu'il y en a encore à trouver. On va suivre la lumière. Regarde, il y a de la lumière là-bas. Tu vois la lumière au fond? Allez, on va voir si c'est par là, la suite. Fais attention aux branches. Hein. Alors... Aïe. Je te dis, fais attention aux branches et c'est moi qui la prends. Je les entends arriver, ils vont pas tarder à venir. T'as trouvé? Il y en a plus que deux là. Hein. Alors, regarde. Ça, à mon avis, c'est. Oh, c'est encore un double, c'est l'infirmière. Mais ça, c'est l'avant-dernier. Et encore double. Oh, ça, c'est le dernier. C'est encore un double? Oh là là. Mais je crois que t'as tout trouvé. Est-ce qu'il y en a encore? T'en vois plus? Regarde par là, peut-être, non? Non? Il y en a plus? T'as tout trouvé? C'est fini? On a fini la chasse aux zombies? Attends, on avait qui un double? Ben là, on en a eu plein en double. Hein. Peut-être qu'on les a tous eus, je suis pas sûre. Comment les personnages? On va les regarder à la maison si on les trouve. Ouais. Tu veux qu'on aille à la maison? Ah!
la peur de sa vie. Ça va, petit cœur? Oui, mais d'où tu sors? Oui, mais d'où tu sors? D'où tu sors? Ça va, Swan? Oui. T'as eu peur? Je trouve que c'était un chien. Là, je crois que t'as vraiment eu peur, petit cœur. Ouais. Ça va? Oui. Tu sais ce qu'il t'a fait, là, Néo? Non. Un prank. Là, j'étais le dernier zombie. Tu m'as pas trouvé. C'est moi qui t'ai trouvé. Est-ce que tu l'as en double, celui-là? Non, non, en une fois. Non? Une fois. Petit cœur. Ça va? T'es remis de ta peur? Wow. Ouf. Que d'émotion, hein? Il est super. Ah bah oui. Prank réussi, Néo. Très réussi, même. Ça y est, vous êtes remis de vos émotions? Et oui. Enfin, surtout Swan. Alors, Néo a lâché la balle de baseball. Oui, ça va. Et le masque de zombie. Je me suis calmée. Swan, comment tu vis ce prank? Très bien. Pas trop. Je comprends pas. Soit il n'a pas trop aimé avoir peur comme ça. Il m'en manque juste un. Ah, heureusement, la collection de zombies a pris le dessus. On n'a pas eu, non? Non, on l'a pas. C'est le seul qu'on n'a pas. Bah déjà, vous avez tous les autres quand même. C'est déjà bien, hein? Ah ouais, c'est super. C'est parti? Ouverture de tous les mystères? Allez, go! On ouvre tous les zombies. Et voici tous les zombies. Donc là, les originaux, on va dire, et là, les doubles. Voilà, du côté de Néo, on est en train de finir l'installation des doubles. On retrouve ici les différents zombies. Alors celui-ci, il s'allume, c'est ça? Voilà. Oh, c'est joli. Et lui aussi, il s'allume. Ah oui, lui aussi, il s'allume. Super sympa. Alors lui, il perd ses cheveux et sa cervelle. Oh, c'est charmant. Super. Lui, c'est pareil, il perd ses cheveux et sa cervelle. Berk. Lui, il perd une partie de sa tête. Ah oui, c'est bien comme ça aussi. Ouais, ça va. Les trois, ils sont aimantés. Regardez, là, ils ont des aimants sous les cuisses. On va les mettre sur le frigo. Parfait. Ça va être tellement charmant avant d'ouvrir le réfrigérateur. Vraiment, ça va donner envie de manger, je suis sûre. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Regardez. Ah, c'est un tampon. Il a un tampon cervelle. Aplati. Charmant. Le sorcier zombie. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau celui-là? Oh, c'est la tête. C'est un feu, d'accord. J'en ai à l'école. Ah oui, ça va être charmant. La maîtresse va être ravie, je suis sûre. Parfait. Maintenant, le clown. Lui, c'est l'un de mes préférés. Lui, il perd juste un petit morceau de sa tête. D'accord. La pom-pom girl, elle se coupe en deux. Oh, la pauvre. Oh oui, tu l'avais déjà eu celle-là, Swan, ouais. Je crois. Oui, oui. Ça me dit quelque chose, cette pauvre pom-pom girl. Je m'en souvenais. Lui, c'est la momie. C'est un tampon aussi, regardez. Voilà. Tampon cerveau à nouveau. Plus petit. Il n'y a pas de fonction celui-là? Non, comme lui. Là, ils ont bon, pas de fonction. Pas de fonction, bon, tant pis. Lui, c'est pareil que le sorcier. Ah, encore un feu. Le pirate. Il est super, lui. Il perd son chapeau et sa cervelle. Charmant. Pour terminer, l'infirmière qui n'a pas de bras. Hein. Super. Elle en a un dans la bouche, c'est pour ça. Voici sa cervelle. Oh, elle perd ses cheveux, elle. En fait, c'est son propre bras qu'elle a dans la bouche. C'est ça. Son bras gauche. Ouais. Oh, c'est charmant. En fait, je me suis rendu compte que eux deux, ils brillaient dans le noir. Ah bah voilà, ils avaient donc bien une fonction également. Alors, vous les avez tous, c'est bon? Ouais, c'est bon. Quels sont vos préférés? Moi, j'en ai plusieurs. Le clown et Ninja. Moi, c'est les deux qui s'aiment. D'accord. Les copains et les copines, dites-nous si vous avez aimé ce prank. Qu'est-ce qu'on va faire? Pensez au pouce. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt, les copains et copines. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à partager. Enfin, en gros, bisous. Vous j'adore. Bye bye tout le monde. Bye bye.